Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer un site WordPress avec le thème Divi et le constructeur de page Divi Builder. Ce tutoriel est 100% adapté aux débutants et aux intermédiaires. Et donc, si vous ne maîtrisez pas WordPress ou tout simplement Divi, ce tutoriel est fait pour vous parce que j'y vais étape par étape afin que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que je fais. Nous commencerons donc par l'installation et la configuration du thème. Nous allons ensuite apprendre à créer l'entête de page globale composée d'un logo, d'un menu et d'un bouton d'appel à l'action comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous allons passer à la création de la section héros puis à la création des autres sections. Du site et pour finir nous allons créer un magnifique pied de page alors pour ce tutoriel je vais uniquement me concentrer sur la création de la page d'accueil ainsi donc vous allez pouvoir répéter le même processus pour la création des autres pages du site alors ce tutoriel est gratuit et a pour but de vous aider à vraiment maîtriser le thème divi et son constructeur de page divi builder pour me soutenir, vous pouvez utiliser mes différents liens en description. Par exemple, le lien de TV pour acquérir donc le thème, ainsi donc vous m'aiderez à toucher une petite commission. Et n'oubliez pas, je propose également des services de création et de maintenance de sites, quel que soit le site et quelle que soit la niche de ce dernier. Donc, mes contacts sont en description. Vous allez pouvoir me contacter. Et donc, sans plus tarder, chers amis, nous allons commencer. Après avoir configuré et installé wordpress sur hostinger nous avons maintenant accès à l'espace admin de wordpress et comme vous pouvez le voir c'est un espace totalement vierge et là la première des choses à faire c'est d'aller dans les réglages afin de régler le wordpress comme il le faut donc ici je vais dans général et là j'ai le titre du site et ici je mets le titre du site Là, je, je mets le slogan. Bon, je vais toujours mettre le titre du site, mais alors si vous avez un petit slogan, une petite phrase qui voilà met en avant votre entreprise ou votre secteur d'activité, vous l'indiquez à ce niveau-là. Et donc ici, je dois mettre un favicon pour mon site. Donc voilà ici, je sélectionne donc euh, le favicon. Alors je fais recadrer si je veux et donc voilà là nous avons à présent le favicon et vous voyez hein, c'est l'icône qui s'affiche au niveau de l'entête de l'onglet tout simplement ensuite vous avez les adresses mail du site votre email administrateur et la inscription j'ai l'habitude de cocher cela tout le monde peut s'inscrire ensuite j'enregistre les modifications je vais dans lecture et ici, je vais définir une page d'accueil, mais nous n'avons pas encore créé de page sur le site. Mais il y a toujours la page d'exemple qui est créée par WordPress lors de l'installation. Donc là, c'est en anglais, ça s'appelle sample page, mais en français, c'est page d'exemple. Donc vous la sélectionnez comme étant la page d'accueil du site. Et si les pages étaient déjà créées, on va tout simplement sélectionner la page blog ici, mais ce n'est pas encore le cas, on va peut-être y revenir plus tard. Il suffit de créer la page de bloc, de venir ici, comme j'ai sélectionné la page d'accueil, sélectionner donc la page bloc et c'est fait. Et puis pour finir, je vais enregistrer les modifications, ce qu'il ne faut jamais oublier. Et donc chers amis, pour finir avec les configurations, on va se rendre dans l'onglet lien ». Et ici, donc, nous allons définir notre paiement lien, la structure du paiement lien sur titre de la publication. Donc, ici, je clique sur titre de la publication et je viens tout simplement enregistrer. Et donc, voilà, à présent, donc, je vais me rendre dans toutes les pages et vous verrez que nous avons la page de politique de confidentialité qui en anglais s'appelle Privacy Policy. Et la page donc euh, d'exemple page sample page qui est reconnue comme étant la page d'accueil comme je viens de le définir. Ici chers amis, je vais traduire la page de politique de confidentialité. Donc je copie le bout de texte politique de confidentialité et je fais modification rapide. Au niveau du titre de la page, je, je colle politique de confidentialité. Voilà. Et au niveau du slog. Qui n'est rien d'autre que le paiement lien. Je colle également euh, le titre politique de confidentialité. Ici, je viens voir l'état de la page dans ses embrouillons. Donc, euh, je peux la publier. Et voilà, je clique sur publier et je vais donc euh, enregistrer les modifications. Donc, je clique sur mettre à jour. Et voilà, ma page désormais se nomme politique de confidentialité et est reconnue comme telle à ce niveau-là. Alors, au cas où cette page n'existerait pas, sur votre site on ne sait jamais ou au cas où vous créez une nouvelle page et que vous souhaitez euh, la définir comme politique euh, comme étant la page de politique de confidentialité il suffit donc euh, de vous rendre dans réglage confidentialité et donc voilà ici vous allez pouvoir sélectionner la page que vous souhaitez voir comme étant la page de politique de confidentialité et donc voilà elle est nommée politique de confidentialité donc je la sélectionne et je clique sur utiliser cette page si ce n'est pas cette page que vous souhaitez utiliser vous voyez ici nous avons le bouton créer et vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer une nouvelle page de politique de confidentialité et donc c'est ainsi que vous allez pouvoir la configurer donc là chez amis, je, viens, je reviens donc sur page, je fais une modification rapide pour la page d'exemple et je vais la renommer. Donc là, je clique, je clique sur modification rapide et je change le titre et le slog de la page. Et donc voilà, je vérifie l'état. La page est déjà euh, publiée. Donc à présent je vais mettre à jour ici chez amis je peux créer la page blog et les autres je vais en profiter pour créer les autres pages de mon site donc là je mets donc blog je fais publier ensuite je fais ajouter une nouvelle page je mets contact je fais publier également j'ajoute une nouvelle page je fais à propos je publie également j'ajoute à nouveau une nouvelle une nouvelle page je vais mettre euh, nos services donc voilà je reviens en arrière chez amis et je pense avoir les pages essentielles d'un site euh, d'un site vitrine comme vous pouvez le voir là la page bloc n'est pas encore reconnue comme étant la page euh, blog du site alors pour faire cela je reviens au niveau de réglages je clique sur l'onglet lecture et je viens tout simplement au niveau de page des articles pour sélectionner la page blog et je fais enregistrer les modifications voilà donc désormais regardez je reviens au niveau de la page blog la page blog est maintenant reconnue comme étant la page des articles et donc reconnue comme étant la page blog de mon site tout comme la page d'accueil et donc voilà chers amis les réglages de base que vous allez pouvoir effectuer sur votre site lorsque vous installez wordpress à présent, nous allons passer à l'installation du thème Divi sur le site. Et pour ce fait, je vais me rendre sur le site Film. Vous trouverez le lien en description. Et pareil hein, que pour l'hébergement, si vous utilisez mon lien affilié, c'est-à-dire celui se trouvant dans la description, j'aurai quelques minutes à vous accorder, soit pour répondre à, à, à vos questions, soit pour vous aider sur un point bien précis. Alors, là une fois sur le site de Divi, il vous suffit là de cliquer sur Divi tout simplement et là si je clique sur Join Today, voilà, nous avons ici la table des prix, donc les différents euh, les différentes offres de Divi et sans vous mentir, Divi est le constructeur de page WordPress avec euh, les offres les plus abordables. Regardez par vous-même. Ici nous avons les offres annuelles et pour euh, l'offre annuelle Divi simplement, cela vous revient à 89 dollars par an. Et regardez un peu, vous aurez euh, le thème Divi et son builder. Vous avez accès à plus de 300 packs de sites, c'est-à-dire des templates de sites, et vous pourrez utiliser la licence sur un nombre de sites illimité durant un an. enfin vous aurez droit à des mises à jour durant une année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de site, il n'y a pas de limite d'utilisation. Euh, votre licence pourrait être utilisée sur un nombre infini de sites. C'est tout simplement génial. Et regardez là, si vous prenez l'offre Divi Pro à 277 dollars par an, et bien vous aurez déjà tout ce qu'on a ici dans un premier temps qui se retrouve là. Ensuite, vous aurez accès à Divi AI, c'est-à-dire c'est l'intelligence artificielle. Intégré à Divi pour euh, faciliter la création de sites avec euh, Divi. Vous aurez droit à Divi Cloud également. Divi Cloud permet tout simplement de stocker des données et de pouvoir les partager après sur vos différents sites ou à d'autres utilisateurs du Divi. Donc il y aura Divi VIP également. Euh, là vous aurez un support premium disponible 24 heures sur 24. 10% de réduction sur les produits de la marketplace TV. Et ici, regardez, vous avez une garantie de remboursement sur 30 jours. Et bien, c'est-à-dire que si vous payez aujourd'hui et que durant les 30 prochains jours, vous changez d'avis, et bien vous serez automatiquement remboursé. C'est pareil pour euh, l'offre à 89 dollars. Et regardez si je passe à l'option lifetime, c'est à dire vous payez une fois pour de bon, vous n'aurez pas chaque année à payer pour Divi, d'accord. Vous payez une fois et vous aurez accès au service pour toujours, et donc vous n'aurez plus jamais à payer pour Divi, c'est à dire vous payez une seule fois et puis c'est bon et c'est pour toujours. Donc voilà, vous aurez droit à tout ça pour un nombre illimité de sites et euh, voilà hein, vous n'aurez plus jamais à débousser de l'argent pour euh, un constructeur de page ou, ou pour Divi donc euh, voilà si vous choisissez l'offre euh, Divi LifeTime Pro service par exemple je clique sur sign up et ici donc nous avons euh, voilà la page de paiement avec Divi chez amis et donc euh, donc voilà il vous suffira donc euh, de compléter le formulaire de paiement et de passer au paiement. Après le paiement, vous allez recevoir un email euh, qui vous indiquera euh, où télécharger le fichier. De toute façon, vous allez vous connecter à votre compte et vous aurez euh, un onglet pour euh, aller retrouver donc euh, vos fichiers et avoir accès au service sélectionné. Et donc voilà, comme indiqué, hein, si vous utilisez mon lien d'affilié pour acquérir votre la licence divi et eh bien vous allez pouvoir me contacter je vais vérifier si c'est effectif et là comme ça vous allez pouvoir me poser des questions et donc chers amis une fois la licence euh, achetée je vais maintenant euh, installer divi sur mon site donc je me rends dans apparence thème et ici je vais ajouter un thème et là je vais cliquer sur Téléverser un thème et du coup j'irai donc chercher Divi. Et donc là j'ai inséré donc le fichier Divi. Je vais cliquer sur installer maintenant et je patiente. Et voilà, Divi a bien été installé sur mon site. Là je vais cliquer sur activer pour l'activer. Et donc voilà, chers amis, ici je vais cliquer sur détail du thème. Pour supprimer euh, l'ancien thème là je clique sur supprimer je clique sur ok et voilà là nous avons à présent divi complètement installé sur le site et regardez là je vais faire un tour sur euh, la page d'accueil hein, sur le front end du site j'ouvre dans un nouvel onglet et vous voyez bien à quoi ressemble notre site à présent avec divi je reviens donc au niveau du back end et la prochaine chose à faire, c'est de me rendre ici dans Divi, option du thème. Et là, je vais dans mise à jour. Alors là, chers amis, vous irez tout simplement récupérer le nom d'utilisateur du et la clé API de votre compte afin de pouvoir activer Divi sur votre site. Et donc voilà, j'ai inséré les deux éléments, c'est-à-dire le nom d'utilisateur du et la clé API. Et à présent, je vais cliquer sur Sauvegarder les changements. Les clés sont donc insérées et maintenant Divi est activé. Alors je vais revenir dans l'onglet général ici et vous pouvez voir que à ce niveau-là, je peux tout simplement insérer mon logo. Et ici, je peux donc définir les couleurs de mon site. Et donc là, je vais cliquer sur mettre en ligne et je pourrai sélectionner voilà un fichier. Donc je sélectionne mon fichier logo. Je le définis comme étant le logo. Et je vais descendre pour l'enregistrer. Ensuite, je viens sur le front-end. Je clique sur le logo pour actualiser. Et vous voyez que le logo a tout simplement changé à présent. Et c'est ce que nous avons désormais comme étant notre logo chez Amis. Et donc voilà chez Amis, nous allons maintenant passer à la création du menu de notre site. Donc, je retourne ici dans Apparence, je clique sur Menu. Donc, et ici, je vais donc créer le menu principal du site. Donc, là, je vais choisir son emplacement et je vais cliquer sur Créer le menu. Présent, je viens au niveau de l'onglet des pages, je clique sur Voir tout, je sélectionne les différentes pages que je souhaite intégrer au menu, puis je clique sur ajouter au menu. Les pages sont donc ajoutées au menu, maintenant je peux euh, les classer ou les disposer. Je clique et je maintiens, je fais glisser vers le bas, ainsi de suite. Et donc voilà, les pages sont donc disposées comme je le veux. Là je vais enregistrer le menu. Et si je vais donc sur le front-end, donc vous pouvez donc euh, voir mon nouveau menu. Alors, chers amis, sans rien faire, nous avons déjà l'entête de notre site. Mais non, cette entête-là n'est pas personnalisée, bien évidemment. Alors, du coup, ce que nous allons faire maintenant, c'est de créer notre entête 100% personnalisée et responsive. Et donc, ici, dans Film Builder, je vais ajouter l'entête globale. C'est ce qui sera donc euh, l'entête du site, là-bas, de navigation. Et là, je clique. Je vais cliquer sur « Construire » l'entête globale. Ici chez amis, je vais tout simplement cliquer sur commencer à construire. Bon, si vous avez ce pop-up, il suffit d'enregistrer. Et je vais revenir. Donc euh, je clique à nouveau dessus. Alors si je viens là, vous pouvez voir que nous avons déjà une section et une ligne. Enfin, la ligne n'est pas encore insérée, mais le bouton est là pour nous demander de l'insérer. Donc voilà, je vais cliquer sur le plus ici. Là, je vais tout simplement sélectionner cette euh, structure. Et là, je vais chercher widget et, pardon, menu. D'accord Donc là, j'ai menu. Je clique dessus. Et le menu principal est donc euh, automatiquement euh, sélectionné. Là, c'est bon alors. Et ici, je vais maintenant euh, définir mon logo. Donc je le sélectionne également et le logo est donc défini. Normalement, le lien doit être automatique, le lien du logo. Mais sinon, vous pouvez venir ici dans l'onglet Liens. Vous venez cliquer sur l'icône Contenu dynamique et ici, je vais mettre Lien de la page d'accueil, tout simplement, afin que lorsqu'on clique sur le logo, qu'on puisse se retrouver sur la page d'accueil. Alors je vais en profiter pour définir les différentes couleurs. De mon site donc ici je viens au niveau de fond et vous voyez ici j'ai donc l'espace des couleurs donc par exemple concernant le fond de l'entête la couleur de fond de l'entête et ce que je vais faire ici c'est de venir cliquer dans le plus là et donc je clique ici vous voyez bien pour mettre le code couleur donc je colle ce code couleur et je clique sur le vert ici. Cette couleur, je souhaite qu'elle soit une couleur globale de mon site. Donc je vais venir ici dans global. Alors une fois la couleur définie bien sûr, OK. Donc elle est actuellement active. Je viens ensuite dans global. Et je clique sur le plus ici. On me dit est-ce que c'est cette couleur que je veux définir comme couleur globale Puisque le code couleur est là et puisque c'est elle, je dis oui en cliquant sur le l'icône vert. Donc voilà, voyez ici désormais cette couleur est définie comme une couleur globale de mon site. Je vais cliquer pour valider, sauvegarder les changements et ensuite je viens sur euh, le module menu et ici chez amis je dois supprimer par exemple la couleur d'arrière-plan ce blanc d'arrière-plan que j'ai donc je viens au niveau de fond et voyez ici je supprime en cliquant sur l'icône voilà et là donc mon logo est bien visible mais euh, mon menu ne l'est pas du tout alors ce que je fais c'est de me rendre au niveau de l'onglet style voyez là c'est écrit test du menu je clique dessus et ici, nous avons couleur du lien actif. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Ici, par contre, nous avons couleur du test du menu. Donc, si je sélectionne le blanc, par exemple, vous voyez que le test du menu est blanc, bien visible, et c'est bon. Alors, est-ce que c'est la couleur que je souhaite utiliser pour euh, mon, le test de mon menu euh, Je ne crois pas. Donc, je vais euh, tout simplement définir cette couleur. Pour ce faire, je clique ici. Et je vais pouvoir changer le code couleur tout simplement. Donc là, je sélectionne les lettres et je remplace. Je clique en, ensuite sur l'icône verte pour valider. Et désormais, vous voyez que la couleur a tout simplement changé. Alors, comme je l'ai fait tantôt. D'accord En ajoutant la couleur de fond comme étant une couleur globale, je vais également le faire ici. Donc, je clique sur euh, le test global. Voilà. Et je viens donc ici cliquer sur ce plus-là. Et vous voyez, mon code couleur précédemment inséré est toujours là. Donc, je valide. Et regardez, donc, voilà, la couleur globale, la seconde couleur globale est aussi... Insérer et c'est tout simplement génial. Donc à présent, je vais enregistrer les modifications et pour ce faire, je clique ici. Désolé, je clique ici et j'ai le bouton sauvegarder. Puis je sauvegarde. Voilà. Donc je descends un tout petit peu. Voyez dimensionnement. J'ai la largeur du logo qui est sur automatique. Donc je vais la réduire au maximum. D'accord Comme ceci. Donc je la laisse à 17, 18%. 17%. Donc là, c'est sur ordinateur. Alors, je valide pour l'instant. Alors, à présent, je viens sélectionner ici euh, la rangée. Voilà, réglage de la rangée. Je vais dans style. Je viens dans dimensionnement. Je vais tout simplement euh, mettre la largeur maximale de l'entête à 1440 pixels. Et je la laisse à 80% de cette, de cette largeur. Puis, je valide. Ensuite, je vais dans espacement. Je lis les valeurs sommet et bas je mets à 0 et je vais valider ensuite je clique sur la section je vais venir également dans espacement au niveau de la session je lis toujours les valeurs je mets à 0 également et voilà maintenant je vais valider cela je reviens au niveau du module menu je vais dans style dimensionnement J'ajuste tout simplement la taille du logo, comme vous le voyez, et je valide. Encore une fois, je reviens au niveau de la section. Je vais dans style espacement. Et là, je vais mettre 2-3 pixels pour avoir quand même un peu de match Et voilà, chers amis, je vais enregistrer. Là, nous avons euh, l'entête qui est un peu sympa qui ressemble à un truc professionnel. Ok. Ce que je vais faire à présent, c'est tout simplement, voyez là au niveau de ma rangée, je vais cliquer ici, structure de la colonne. Je clique dessus maintenant, je voudrais changer la structure de la colonne. Donc je vais sélectionner ici cette structure là. Voilà, comme ça, vous voyez que rien ne change à ce niveau-là, mais j'ai la possibilité d'ajouter un nouvel élément de l'autre côté. Alors, le, le logo a été un tout petit peu réduit, donc euh, attention, je reviens au niveau du module, menu, style, dimensionnement, et je vais ajuster la taille du logo. Bon, je crois que 20%, il est quand même assez imposant. À présent, je vais ajouter un bouton, donc je clique ici sur ce plus, ajouter un module, et ici, je viens chercher un bouton. Donc, mon bouton est donc inséré. Là, je vais euh, changer le test. Donc, j'écris réserver un appel. Au niveau du lien, je viens à ce niveau. Et bon, je ne vais pas mettre de lien pour l'instant. Je mets juste un dièse. Je vais dans l'onglet style afin de pouvoir personnaliser le bouton. Donc, je clique sur... La bouton. Personnaliser le bouton, je, je l'active. Et ici, vous voyez le test du bouton, je mets en blanc. Nous avons une bordure, je ne souhaite pas en avoir. Donc, je supprime, enfin, je mets là, vous voyez, euh, bouton de la bordure, je mets à 0 pixels. Et je remonte au niveau du bouton arrière-plan. Donc, la couleur d'arrière-plan du bouton. Je clique sur le plus. Et je cherche une couleur d'arrière-plan je voudrais une couleur haute que le blanc et le noir donc voyez ce que cela je le monte et je vais tout simplement venir chercher une autre nuance du vert donc cela me plaît bien je vais donc l'enregistrer je me rends dans euh, l'onglet global je vais cliquer sur le plus là afin d'insérer cette nouvelle couleur comme étant une couleur globale ainsi donc je pourrais la voir tout le temps et voilà puis après au niveau de la taille du bouton je vais la mettre à 16 au niveau euh, des rayons du bouton voyez bien donc je mets à 12 pixels si c'est trop je reviens à 8 comme cela, c'est pas mal. Je viens maintenant dans Espacement et je vais lier les valeurs au niveau du sommet et du bas. Donc, euh, je peux mettre à 8 pixels et de part et d'autre, c'est-à-dire de gauche à droite, bon, je lis également les valeurs. Voilà, là, je vais à 28 pixels puis je valide alors ici chers amis je reviens dans style alors je suis au niveau de la ligne et au niveau de la rangée ici vous voyez nous avons la rangée là donc voilà je suis au niveau de la rangée je vais dans style dimensionnement harmoniser les hauteurs des colonnes d'accord je valide et ici, espacement, donc toujours au niveau du bouton, voyez là alignement. Voilà, j'aligne à droite. Donc, à présent, je ferai en sorte que le bouton soit aligné au centre de, de la section, tout comme le logo et le menu. Donc, pour ce fait, je viendrai au niveau de la rangée Je clique dessus une fois, et ici, voyez, j'ai deux colonnes. D'accord, la première colonne qui contient logo. Le menu et la deuxième colonne qui contient donc le bouton d'appel à l'action. Du coup, je clique ici sur l'icône réglage et je vais dans style, espacement, et donc ici je vais ajuster euh, la marge interne. Au sommet et en bas afin que mon bouton d'appel à l'action puisse se retrouver au centre pour le faire je lis les valeurs au niveau du sommet et du bas et je vais mettre 12 pixels et ici maintenant je vais vérifier ma petite technique c'est de mettre une valeur supérieure jusqu'à ce que voyez là la limite du bas de la section commence à bouger et donc là ça a bougé donc je réduis voilà à 17 c'est bon et je crois que 17 c'est la limite et du coup je valide et voilà 16 pixels je crois que c'est bon là je valide encore une fois et je vais enregistrer alors chez amis à présent je vais ici je vais cliquer là pour sortir puis je vais enregistrer toutes les modifications à ce niveau là maintenant je vais voir en front end comment est-ce que ça s'applique voyez là le bouton n'est pas aligné et là si j'actualise voilà je peux voir que le bouton est bien aligné à présent je vais faire en sorte que mon entête soit responsive alors pour ce faire je reviens donc ici je modifie toujours l'entête globale je vais euh, tout simplement venir dupliquer la section et lorsque je la duplique je viens sélectionner la session la toute première celle au dessus et je viens euh, dans l'onglet avancé visibilité et ici dans visibilité je vais désactiver le tout premier la toute première session sur tablette et sur mobile. Ainsi, cette première session ne sera que l'entête de notre page sur ordinateur. Et là je viens sur la deuxième session. Je vais dans Avancer, Visibilité, et je vais la désactiver sur ordinateur. Je valide. Je fais sauvegarder. Et ici au niveau de tablette, je viens à ce niveau-là. Je vais sélectionner du coup euh, la structure de la rangée donc pour tout simplement la changer donc je viens sélectionner une ligne unique et ici le bouton d'appel à l'action je la retire et là vous voyez que j'obtiens maintenant euh, l'entête avec euh, une hauteur raisonnable je vais me rendre dans l'onglet style je clique sur espacement et là je vais faire en sorte que cet espacement soit correct voilà, en ajoutant un tout petit peu de mâche. Je viens donc dans le module du menu, style toujours. Je cherche dimensionnement. Voilà. Et là, je vais venir ajuster le logo. Tout simplement. Comme ça. Je valide. Bon, je n'aurais pas dû sortir. Ensuite, je cherche le menu en fait. Voilà, menu. Et là, je vais chercher Hamburger, menu, icône, taille de la police. Donc, euh, je l'incrémente afin d'avoir le bouton d'hamburger un peu important. Et je crois que cela s'applique également à la police euh, du menu qui va se dérouler. Et ensuite, je vais me rendre ici dans Lien du menu déroulant. Mais avant, je vais enregistrer et passer donc au mobile. Donc, sur mobile, euh, voilà ce que j'ai. Du coup, je vais venir euh, élargir, agrandir la couleur du logo. Donc je reviens dans dimensionnement et j'agrandis la couleur du, du logo et pardon, et j'agrandis la taille du logo de cette, de cette façon. Ici au niveau de, du menu, dont je cherche hamburger, je retourne sur tablette pour voir si la taille est correcte. Vous voyez, la taille n'est pas correct voilà je clique là sur tablette j'ajuste la taille donc vous pouvez voir à travers euh, cette erreur que j'ai fait à deux reprises qu'à chaque fois où vous voulez euh, modifier les dimensions d'un élément avec divi du moins avec Divi 4. Avec Divi 5, ça va changer parce que j'ai déjà testé Divi 5. La vidéo est sur la page. Mais avec Divi 4, tant que vous utilisez Divi 4, vous devez faire attention à, à chaque fois sélectionner l'écran sur euh, lequel vous souhaitez que cette modification-là s'applique. Donc, par exemple, la taille du logo, je veux mettre à 30, à, par exemple, à 24 sur tablette. Il faut que je sélectionne euh, l'écran tablette afin d'être sûr que ça s'applique sur la tablette. Sinon, le logo de la taille du logo va tout simplement changer sur tous les types d'écran. Et c'est parce que nous voulons. Donc là, vous avez les ondes palpables. Donc là, c'est sur tablette. Et ici, je peux venir directement sur mobile. Et regardez donc la taille sur mobile comparé à la taille sur tablette. Vous voyez Donc c'est vraiment dissocié sur Divi4. Mais dès Divi 5, ça va changer. Donc du coup, si en suivant cette vidéo, vous êtes en train d'utiliser Divi 5, vous n'avez pas besoin de prendre en compte ces explications-là. Mais si vous êtes toujours sur Divi 4, vous devez absolument prendre en compte cela. Sinon, vous aurez l'impression de n'avoir pas compris le tutoriel. Mais en réalité, vous avez juste eu un moment d'inattention. Donc là, je vais augmenter voilà, la taille à 40% ou euh, je réduis à 38%. Et je crois que c'est bon. D'accord C'est une taille raisonnable. C'est cool. Et là, je déroule le menu déroulant et je vois un peu euh, ce que c'est. Et je dois euh, là changer les couleurs. Donc, je suis toujours dans les paramètres du menu et je vais cliquer ici sur euh, Menu, etc. Donc, il suffit de lire pour retrouver où est-ce qu'on doit être. Donc, ici, nous avons lien du menu déroulant. Donc là, nous avons couleur de fond du menu déroulant. Donc ici, je choisis cette couleur, la couleur de l'entête. Et couleur de la ligne du menu déroulant, c'est la ligne bleue que vous êtes en train de voir là. Donc je vais pouvoir changer sa couleur. Donc pour nuancer, je sélectionne la couleur de l'icône hamburger. C'est bon. Et donc voilà, chers amis, Et là, si je reviens sur la tablette, vous pouvez voir que nous avons exactement les modifications qui s'appliquent. Alors, lorsqu'un lien devient actif, c'est-à-dire lorsqu'on visite une page, la page des services par exemple, et qu'on ouvre le menu, quelle sera la couleur de ce menu Je vais tout simplement mettre le blanc et je vais enregistrer, puis enregistrer. Ici, je reviens donc sur ordinateur et c'est bon, chers amis. Je vais sauvegarder. Alors, chers amis, reste une dernière chose à faire de part et d'autre au niveau des deux bas d'entête, bas de navigation si vous préférez. C'est que je vais faire en sorte que ma barre de navigation se maintienne au scroll. Donc pour ce faire, je vais cliquer là sur la session. Je vais me rendre dans avancé. Ici, nous avons effet de défilement. Et là, j'ai position collante. Je reste ici et je viens ici et je viens cliquer sur euh, Rester en haut. Donc euh, coller au-dessus tout simplement. Puis, j'enregistre. Alors après avoir fait ça, lorsque je défile ma page, eh l'entête sera collée tout simplement en haut. Alors ça c'est déjà défini. Alors à présent ce qu'il faut faire pour un tout petit peu animer tout ça, c'est que là je vais cliquer sur euh, je vais ouvrir donc le menu paramètres de, du module menu. Je viens ici dans Style. Je cherche donc euh, dimensionnement. Et ici, lorsque je viens, vous voyez, il y a une nouvelle icône qui est apparue. C'est dû à la fonctionnalité que nous venons d'activer. Donc je clique là-dessus. Je viens ici sur Sticky. Et ici, je souhaite que la largeur de mon menu soit un peu plus réduite lorsque l'entête, la barre d'entête se maintient. Donc là, je vais venir réduire à 19. Du coup, voilà, lorsque la base d'entête n'est pas maintenue, est normale. Voilà donc la largeur du menu, et quand elle se maintient, voici sa nouvelle largeur. Je peux mettre à 18, si je. Voilà, 18 c'est bon, d'accord Et là, je vais enregistrer. Et ici, enfin, je ne devais pas quitter, je reviens donc, et je viens sur Test du menu, et au niveau de test du menu lorsque je viens vous voyez que j'ai la même icône d'accord donc ici également vous voyez que j'ai le même élément et là de base je peux augmenter un tout petit peu la taille du menu et ensuite lorsque je clique sur l'icône sticky je viens ici également je clique dessus je peux maintenant mettre la taille du menu à 14 du coup en cas normal c'est ceci et en sticky c'est cela est ce que vous voyez un peu donc c'est bon et je peux venir également au niveau de mon bouton. Et je viens là, au niveau du bouton. Et en temps normal, j'ai 6 pixels. Et lorsque le bouton se maintient, voilà, j'en ai 14. D'accord Et je valide. Et ensuite, ce qui reste à faire, c'est de venir au niveau de, de l'espacement de la section et je viens là je clique sur l'icône sticky toujours et je mets donc l'icône au maintien à 0 et puis j'enregistre je vais sortir j'enregistre toutes les modifications je sors d'ici j'actualise et regardez donc l'effet que ça fait lorsque je scroll vers le bas alors vous voyez que cette page n'a pas beaucoup d'éléments sur la page d'accueil pour l'instant mais lorsque je scroll j'ai quand même euh, voilà euh, cette petite animation qui est sympa donc voilà chers amis nous venons tout juste de finir avec l'entête de page de notre site et à présent nous allons tout simplement personnaliser les polices du site donc voyez comme vous le voilà les polices sont les polices de base de du thème euh, d'ivi et donc euh, moi je souhaite appliquer par exemple des polices personnalisées. Alors comment on le faire Je vais tout simplement me rendre sur le back-end de mon site. Ici, je clique sur personnaliseur du thème. Et à ce niveau, chers amis, je vais cliquer sur paramètres généraux. Et ici au niveau de « paramètres généraux, vous voyez bien que j'ai la typographie. Donc je clique sur typographie. Et je vais tout simplement me rendre au niveau de police de l'entête et de police du corps de test. Donc, police de l'entête, il s'agit des titres. Et police du code de test, il s'agit tout simplement de mes tests. Donc, police de l'entête, je vais tout simplement chercher Popping. Donc, là, à l'aide du curseur, je vais venir jusqu'au niveau de la lettre P. Il faut faire attention. Voilà. Et vous pouvez voir ici que j'ai Popping à ce niveau-là. Donc, je sélectionne Popping au niveau de la police de l'entête. Après, je pourrais. Euh, voilà. Personnaliser tout ça comme je veux. Maintenant, au niveau de la police du corps de test, je cherche la police Sora. Voilà, je viens au niveau de S. Ensuite, je vais chercher le O. Voilà, j'ai Sora ici, tout simplement. Couleur du test du corps et tout ça, je, je laisse intact. D'accord, je n'y touche pas. Et au niveau de la couleur du lien, par exemple, là, par contre, je vais modifier. Donc là, je vais tout simplement changer le code couleur. Voilà, comme vous le voyez là. Donc désormais, mes liens auront cette couleur-là. Je vais donc enregistrer et je vais sortir. Je me rends à présent sur le front-end chez Amis et je vais actualiser. Je vais cliquer sur Activer le visual builder. Nous allons donc commencer à modifier la page d'accueil du site. Donc là, vous voyez que trois options nous sont présentées. La première fois que vous cliquez sur Modifier avec Elementor, ces trois options-là vous seront présentées et je vais cliquer sur Commencer à construire. Vous voyez donc à partir de là, je vais donc commencer à construire ma page. Alors, chose très très importante, chers amis, vous pouvez faire une petite remarque qui est celle-ci c'est que la largeur du contenu de mon entête n'est pas la même que la largeur de la page que nous avons là. Donc là, pour ce faire, je me rends là sur mon backend, je me rends au niveau euh, de, de Divi je vais cliquer sur Personnaliseur du thème. Donc là, à ce niveau-là, je me rends au niveau de paramètres généraux, paramètres de mise en page. Et là, vous voyez l'âge du contenu du site Internet. Donc, c'est cette largeur-là que je dois modifier. Et pour la modifier, je dois mettre 1440 comme valeur. C'est ce que j'ai mis pour l'entête. Et donc, c'est ce que je dois appliquer pour le site en général. Donc, lorsque j'applique cela, je viens ici et je prévisualise ma page. Et regardez à présent le contenu du site. À la même délimitation que le contenu de l'entête, et c'est comme ça que vous allez pouvoir harmoniser d'accord la largeur de tous les éléments de votre site lorsque vous utilisez le constructeur de page TV. Là, nous allons commencer la construction de notre page d'accueil et et nous allons bien évidemment commencer par la création de la section héros. Pour une petite parenthèse comme vous pouvez le voir ici au niveau du bouton d'appel à l'action, de... j'ai donc retiré l'icône parce que ce n'était pas vraiment proportionnel hein, avec l'image. Je vais cliquer ici sur le plus pour ajouter une nouvelle section. Et lorsque je clique sur le plus, j'ai maintenant trois options, j'ai normal, j'ai spécial et j'ai Plein écran donc je vais sélectionner plein écran afin de créer une session plein écran donc là je vais retirer la précédente et il me reste donc la session plein écran du coup là je clique sur le plus direct là pour insérer à présent un module donc ce que je fais c'est que j'insère un module d'entête plein écran, donc là j'ai en tête plein écran, je clique là-dessus et voilà donc le résultat. Ici, je vais donc valider. Alors, la structure de cette section est différente à celle de la section normale parce que regardez ici, j'ai la section et directement, j'ai le module à l'intérieur. Donc, ici, nous n'avons pas du tout la rangée qui est en vert. Regardez par exemple si j'insère une nouvelle section et que je sélectionne la section normale. Vous pouvez voir ici que... Ici, maintenant, j'ai la rangée et ensuite je pourrais mettre des modules. Alors, si je change la structure, donc je fais comme ceci, vous voyez, donc avec la session normale, je ne peux pas insérer de modules sans ranger. D'accord par contre avec la session plein écran, c'est directement euh, euh, des modules qu'on essaie à l'intérieur de la section, donc il manque pour la session plein écran, il n'y a pas de rangée. Donc là, je supprime tout simplement et je me rends à présent dans les paramètres de mon module. Et du coup, je vais fermer ici le test, je me rends au niveau de l'option fond, je supprime le fond d'écran et je valide. Alors, chers amis, là, je viens au niveau de la section plein écran. Je vais dans fond. Je mets donc euh, l'image de fond. Je vais mettre l'image de fond qui n'est rien d'autre que celle-ci que je sélectionne et je fais charger une image. Et donc, vous voyez que j'ai une image de fond. Donc, je rappelle que je suis toujours au niveau de la section. Je viens là au niveau de style. Donc, ici, j'ai dimensionnement. Je descends au niveau des paramètres minimum. Et là, chez amis, je vais mettre 100 VH. Voilà. Donc, notre session va couvrir avec 100 VH, va couvrir toute la hauteur de notre écran. Et je vais réduire à 110 VH. D'accord Quand je réduis à 110 VH, vous voyez le résultat. Ensuite, je vais donc valider. Et ici, regardez, nous avons la hauteur de notre session est ici qui est délimité par la couleur violet et ensuite nous avons la hauteur de de notre module qui est donc délimité par la couleur noire ou, ou gris foncé donc je vais cliquer sur les paramètres du module et je vais cliquer sur défilement donc chez amis au niveau du défilement je me rappelle de la valeur que j'ai inséré au niveau de la hauteur de ma section et je vais insérer cette même valeur au niveau de la hauteur du module dont chemin 70vh et je vais donc valider et ici vous voyez lorsque je viens vous voyez le module a exactement la même hauteur que la section parce que vous voyez les limites du module hein, avec euh, les traces gris foncé. Vous voyez que c'est exactement les limites de la section que j'ai ici avec les, euh, les traits violets. Donc à présent, je vais tout simplement cliquer une nouvelle fois sur mon module et je viens donc euh, au niveau, là, vous voyez, corps de test. Je clique dessus. Je viens au niveau de dimensionnement. Et ici, vous pouvez voir, j'ai contenu. Du coup, je vais tout simplement ajuster. La largeur du contenu. Vous voyez. Là, je, je peux m'arrêter à cette largeur. Je trouve qu'elle n'est pas mal. Et à présent, je me rends au niveau de espacement. Donc, à présent, chers amis, je vais lier les valeurs de la mage interne. Et je vais essayer de mettre, voilà, une valeur à l'intérieur. Voilà. Afin que l'objectif, c'est que le titre, le test et le bouton ensemble puissent vraiment se centrer. D'accord dans la section héros donc avec cette valeur je suis un peu satisfait si vous voulez vous mettez l'unité em c'est beaucoup plus adapté donc nous allons réduire au maximum parce que voilà 12 em c'est beaucoup plus adapté bon 13 d'accord et donc euh, c'est cool maintenant je viens au niveau de mon test je sélectionne le test et j'ai le titre hein. pardon je sélectionne ici le titre comme vous pouvez le voir et je vais tout simplement incrémenter la valeur de la police de la sorte. Alors, je vais aussi mettre l'unité EM. Donc, je mets 8 EM. Vous voyez, c'est super grand. Donc, je vais réduire un tout petit peu. Donc, je reste sur 4 EM. Et ici, au niveau de la taille euh, du test, je vais tout simplement mettre un EM.2, par exemple. Voilà, c'est un peu plus large bon, voilà un M.1 c'est pas mal. alors, chers amis, comme vous pouvez le voir, là nous avons notre section héros. alors, vous pouvez voir qu'avec notre image en fond et le test en blanc, eh bien, le test n'est pas vraiment lisible. alors, ce que je peux faire donc pour remédier à cette problématique, c'est tout simplement d'essayer d'ajouter euh, voilà une superposition d'image à l'image de fond. Mais avec Divi, c'est un peu différent. Avec Elementor, c'est très simple. Mais je vous montre comment le faire avec Divi. Donc, ici, je clique sur Réglage de la section. Je viens donc dans Fond. Et vous pouvez voir que nous avons notre image de fond. Maintenant, je vais cliquer sur Dégradé de fond. Et ici, au niveau de dégradé de fond, voilà, je vais ajouter euh, le, le dégradé de fond. Donc une fois ajouté chez Amis, il suffit de cliquer deux ou trois fois de suite hein, sur euh, le point. Par exemple là, vous voyez, le premier point c'est celui-ci, le second point c'est celui-là. Alors déjà avant de voilà modifier ces différentes couleurs, je vais ajuster le degré d'accord du dégradé. Et donc c'est là c'est bon. Ainsi je suis voilà. Un peu satisfait du coup, je viendrai maintenant euh, modifier les couleurs. Donc, je voilà, je clique deux fois afin d'ouvrir les paramètres de ce dégradé là. Je vais dans les couleurs globales, je clique sur la couleur de fond que j'ai utilisé pour mon entête, et ensuite je viens cliquer deux fois ici afin d'ouvrir également les paramètres et je vais complètement baisser l'opacité. Alors, dès que vous avez fait cela, vous pouvez vous rendre ici sur image de fond. Vous descendez complètement en bas. Et ici, nous avons fondu de l'image de fond. Et je vais sélectionner multiplier. Et quand je fais cela, vous voyez qu'il y a une superposition d'image qui apparaît. D'accord? À la couleur, donc, du fond. Euh, de la base en tête de la couleur principale, je dirais, qui rend immédiatement notre test complètement visible. Et donc, je vais valider les modifications et ici, je vais venir enregistrer. Et donc, ici, au niveau du titre, je vais sélectionner la, euh, le titre de la session héros et je vais coller mon titre. Donc, je clique sur la section, je vais dans style. Je peux directement venir ici et sélectionner l'élément concerné dans ces titres du test. Et je vais venir ici pour ajuster donc la hauteur. Donc je mets 3,5 et au niveau de la hauteur, je vais mettre 1,2 EM. Comme vous pouvez le voir, voilà, il faut toujours ajuster hein, pour avoir un truc euh, acceptable. Donc voilà, chers amis, je crois que ce n'est pas mal. Donc je valide et je valide ici aussi. Ici. Alors, chers amis, regardez un peu lorsque je défile vers le bas et que je reviens en haut. Vous voyez, il y a un blanc qui intervient entre la bas d'en-tête et la section héros. Il y a un blanc qui intervient, voilà, pour une seconde et disparaît. Donc, je vais faire en sorte qu'il n'intervienne plus. Donc, là, je sélectionne les paramètres de la section. Je viens ici dans Espacement. Et je vais mettre moins 23 pixels. D'accord Comme ça, vous voyez, le blanc n'intervient plus du tout. Et c'est OK. Donc, j'enregistre. Et ici, je vais sauvegarder. Et donc voilà, chers amis, au niveau du test, là, je vais tout simplement sélectionner le test et copier tout simplement mon test. Donc là, c'est le titre et la description. Ensuite, nous allons tout simplement éditer à présent le bouton. Donc là, je clique sur le bouton et j'active la personnalisation. Et du coup, vous pouvez voir que j'ai déjà un bouton à ce niveau-là. Mais vu euh, le module que j'utilise, je ne pourrais pas simplement copier et coller les paramètres. Est-ce que je dois refaire, euh, reconstruire le bouton comme il, il est ici ou est-ce que je peux trouver une astuce simplement pour euh, avoir en deux clics hein, la même mise en forme La réponse est oui et pour ce faire je vais venir au niveau de l'entête là et je vais euh, tout simplement j'ouvre le module, je viens au niveau de bouton et vous voyez les trois points ici, je vais cliquer là et je vais copier le style du bouton. Après avoir copié je valide. Je reviens ici, je clique là. Je double-clique pour ouvrir les paramètres du module. Je viens au niveau de mon bouton ici et je prends le soin d'activer ceci avant de venir cliquer sur les trois points pour coller le style du bouton. Bon, j'ai copié le style, mais les couleurs ne s'appliquent pas. Donc là, pour la couleur du test, c'est correct. OK, vous voyez que tout s'applique normalement. Peut-être il faut actualiser. Je vais quitter le Visual Builder et dès que je quitte le Visual Builder, vous pouvez voir que euh, j'ai le style qui, euh, qui s'applique, mais pas correctement. Donc je vais essayer de l'ajuster. Et pour cela, je reviens dans mon Visual Builder tout simplement. Voilà, je viens ici, je clique sur le bouton donc, et je supprime ça. Je reviens sur couleur globale et je sélectionne voilà la couleur la couleur et c'est bon. Alors ici vous pouvez voir j'ai les mailles du bouton donc là je peux mettre une petite mage afin de séparer le bouton du du test voilà maintenant au niveau de rembourrage du bouton je vais lier les valeurs en haut et, et en bas et ici à gauche et à droite je lis également les valeurs pour mettre les mêmes matches donc donc voilà un peu, hein, nous avons ce résultat-là. C'est super. Alors là, je vais sauvegarder. Et à présent, je vais insérer une nouvelle section dont je clique sur le violet. Je clique sur la session normale. Et comme vous pouvez le voir, je vais choisir la structure à trois colonnes. Dans chaque colonne, nous allons donc insérer les garanties du service. Et du coup, pour faire cela, je vais tout simplement chercher le module adéquat. Donc je vais sélectionner le module Pelle d'action. Je vais tout simplement dans Style. Ici, je vais aligner les tests à gauche comme d'habitude. Et là, la couleur de fond du module, je vais la changer. Je vais mettre ceci et je vais valider. Au niveau du test, je peux double-cliquer pour sélectionner là mon titre et je mets Satisfaction garantie. Ensuite, je vais mettre un test descriptif, bien sûr. Donc, vous pouvez voir si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un lien. D'accord Parce qu'on a un bouton. Voilà le titre du bouton. Donc, regardez si, par exemple, je mets... Euh je simule un lien avec dièse vous voyez le bouton apparaît donc si vous le souhaitez vous pouvez tout à fait mettre un bouton et euh, le personnaliser mais moi je vais juste euh, utiliser voilà sous cette forme là sans bouton et du coup euh, je reviens ici je vais dupliquer afin de l'avoir trois fois je duplique à nouveau et je passe de l'autre côté également donc là j'ai trois colonnes mes trois colonnes d'accord et je vais tout simplement venir au niveau de la deuxième colonne pour changer également ces valeurs. Et donc voilà, chers amis, nous avons nos trois garanties okay, de service. C'est-à-dire, ce sont tout simplement les garanties du service que le site propose. Et je vais euh, venir là au niveau de mon module. Je clique sur style, titre. Soit je viens cliquer manuellement là. Tout simplement et je vais un tout petit peu ajuster les différentes tailles 19 pixels je fais pareil ici voilà et je sauvegarde là je vais mettre un petit titre donc euh, je mets juste test voilà et donc paragraphe euh, je mets nos garanties de confiance et voilà, là je l'ai sur H3 et ici je vais faire passer au dessus comme cela. Je sélectionne la rangée, je viens dans espacement, je lis les valeurs internes, au dessus et en bas, je mets à 0. Voilà. Là nous aurons des mages plus raisonnables. Je reviens ici, mais au niveau de la du titre, je mets en H2. Au lieu de H3, bon, je, je laisse en H2. Ce serait pas mal. J'aligne à gauche comme ça, chez amis, et je sauvegarde. Au niveau euh, du test euh, du titre, là, euh, j'aimerais mettre ça un peu en bold, ce micro. Voilà, comme ça. Et donc, voilà, chez amis. Alors, à présent, je vais dupliquer cette section. D'accord Je, je l'ai dupliqué. Je vais sélectionner la rangée, euh, la première rangée. Je clique dessus. Je vais venir là. Alors, ça marche. Je sélectionne le titre, là. D'accord et je clique sur euh, sous-titre. Là, je sais que c'est le deuxième sous-titre. Je vais aligner donc à droite le titre. Et ici, je vais mettre euh, nos domaines d'expertise. Et donc voilà, ici, je mets nos domaines d'expertise. Et au niveau de la rangée, je clique sur la structure de la rangée. Je vais sélectionner, voilà, deux, tout simplement. Et je fais. D'accord, comme cela. Maintenant, après, je vais venir supprimer simplement les éléments. Là, je viens, je supprime. Ici également, je supprime. Donc là, nous avons les domaines d'expertise que nous allons pouvoir euh, lister tout simplement. Avant de mettre donc, les domaines d'expertise, je vais essayer, hein, chers amis, d'ajuster un peu les, la taille de, de mes titres là. J'essaie de mettre en gras Voilà, voilà je, je garde ça en gras comme ça. Avec euh, une taille de euh, 29 pixels. C'est beaucoup plus imposant. Voilà chez amis. Là, mes titres sont bons. Je vais également voir au niveau du titre de la session héros. Je mets le test en gras. Ouais, ça, ça me parle beaucoup plus. Alors à présent nous allons essayer de lister les différents domaines d'expertise et pour ce fait je vais alors j'ai déjà inséré la rangée, la session la rangée et tout ça. Et à présent chez amis, je vais insérer les modules. Donc là, je vais chercher le module appel d'action, comme cela. Et lorsque je viens là, je viendrai supprimer le fond, la couleur de fond, bien sûr. Je mets une image, je vais mettre une image de fond. Donc, euh, je peux sélectionner celle-ci, par exemple. Voilà, cette image de fond-là, par exemple. Et si je viens ici, dans style, et ici, par exemple, euh, je viens mettre, euh, ouais, la fondue de l'image de fond, je mets multiplier, d'accord Et là, euh, je viens tout simplement mettre une image un peu comme ça de fond je clique sur réglage comme ceci et je peux diminuer ah non désolé j'ai pas le droit de faire ça et donc là je vais dans style session test je j'aligne tout à gauche comme d'habitude et ensuite je vais me rendre ici dans contenu fond et au niveau de fond de contenu. Bon, là j'ai euh, mon image. Et ici, fondu de l'image, je vais mettre multiplier. Ici, chers amis, je vais euh, sélectionner dégradé. Et je vais mettre donc euh, une couleur dégradée. Et je sélectionne donc euh, ici au niveau de la direction. Je, je viens ajuster la direction afin qu'elle soit horizontale, comme je l'ai là. Et là, je vais. Mon but est d'avoir de la transparence. C'est cool. Et ici, donc, je viens mettre maintenant la couleur qu'il faut. Donc, je sélectionne couleur globale là. Et je sélectionne la couleur globale comme ceci. Ensuite, j'enregistre. Je quitte le Visual Builder pour euh, vérifier. Donc, voilà les modifications que j'ai apportées. Je reviens dans le Visual Builder. Je clique sur modifier là, chez amis, et là je vais au niveau du test, j'aligne tout à gauche, comme d'habitude. Et ici, alors au niveau de lien, je vais simuler un lien en mettant un dièse afin d'avoir mon bouton là, d'accord Et euh, au niveau de test, je vais chercher le test du bouton qui est ici, et je vais écrire réserver. Un appel tout simplement, alors ensuite j'irai dans style. Je cherche bouton. J'active la personnalisation du bouton. La première des choses à faire, c'est de mettre la largeur de la bordure à 0 parce que je n'en ai pas besoin. Et euh, ensuite, euh, le test du bouton, la taille. Du test du bouton je vais la réduire à 15 là le fond je vais utiliser le même fond que les autres les autres boutons du site donc rayon de bordure je mettrai 8 pixels comme les autres et ici Bouton rembourrage. En haut et en bas, je mets donc 10. Et à gauche, à droite, je mets donc 30 comme les autres. Je vais euh, du coup mettre mon test en semi-gras et ajuster euh, la taille. Voilà, j'ajuste la taille comme cela, ça va. Et je crois que tout va bien. Je vais enregistrer chez ami. Et à présent, je vais tout simplement dupliquer pour euh, personnaliser par la suite. Donc là, je mets au niveau de l'autre colonne. Donc voilà, là, je vais mettre quatre domaines d'expertise. Mais bon, il peut en avoir plus, bien évidemment et ici donc euh, nous allons tout simplement euh, changer les images donc relativement au domaine d'expertise. Et donc voilà, chers amis, nous avons donc euh, les modules des domaines d'expertise et à présent, je vais personnaliser le contenu de chaque module selon le domaine d'expertise concerné. Et donc ici, pour chaque titre et description, je vais donc mettre les tests correspondants. Donc c'est tout simple, hein. vous mettez, vous écrivez le service au niveau du titre et la description du service, et au niveau du bouton, vous mettez euh, voilà le lien correspondant. Mais n'allons pas nous occuper du bouton présentement. Peut-être après, euh, je vais revenir me faire une autre mise en forme du bouton, mais là, je vais rapidement euh, personnaliser le contenu test. Et donc voilà, j'ai euh, donc personnalisé le test du premier service euh, qui est conception et entretien de jardin. Ensuite, j'ai ajouté un test descriptif et il y a un bouton d'appel à l'action. Donc je ferai pareil pour les trois autres services et on se rejoint juste après. Et donc voilà, chers amis, à présent, les services ont été personnalisés. Et voici donc le résultat. Le cas où vous trouverez et que euh, le test ne sera pas lisible, vous pouvez tout simplement ajouter euh, de l'opacité euh, au dégradé du fond. Donc euh, le dégradé qui se superpose au fond pour, afin d'avoir un, un peu de contraste pour rendre le test un peu plus visible. Donc là, lorsque je reviens dans le dégradé ici, je peux double-cliquer sur euh, la partie euh, transparente et ici, bon, il faut bien euh, mettre une couleur sombre. et là, je vais tout simplement lever le, le, le niveau de dégradé. voyez. donc là, euh, ce n'est plus complètement transparent. et là, on peut donc être sûr que tout le monde pourra avoir un test bien lisible. Euh, dans mon cas, précisément, euh, je vais pas le faire. donc, euh, je vais garder mon fond comme il était au départ. donc, je reviens sur le dégradé. Et je ramène la transparence voilà c'est bon là je valide et on continue chez amis alors après cela chez amis je vais insérer un nouveau module donc ici je sélectionne le module normal voilà et dedans je vais juste mettre voyez ce titre là alors je peux euh, copier ici cette rangée je copie la ligne et je viens ici la coller voilà, chers amis, là je vais maintenant sélectionner le module. En fait, je veux tout simplement mettre une section pour pouvoir afficher les avis clients. C'est très important. Voilà, j'aligne à, à gauche et je valide. Donc, ici, chers amis, je vais tout simplement mettre un titre en rapport à la section. Donc, là, je vais mettre quelques avis clients. Voilà, si je le désire, je peux ajouter un bout de test pour voilà, décrire qu'il s'agit des clients qui sont satisfaits de nos services, etc. Donc, voilà, on ne va pas se gêner à mettre ce test-là. Donc, vous savez quoi mettre à ce niveau-là. Donc, ici, je vais euh, un peu ajuster la largeur du test. Et ici, vous voyez, il y a une majesté que je vais réduire comme ceci. Donc, juste après ça, je vais insérer une ligne à trois colonnes. Et là, au niveau euh, de la ligne, au niveau de chaque colonne, je vais donc insérer euh, le module de témoignage que je vais chercher ici. Voilà, j'ai là témoignage. Et ici, ça. Donc là, je vais euh, mettre euh, le nom des, des clients. Donc ici, je vais dupliquer. Et je vais mettre ma première cliente. Donc je mets Madame Durand. Et ici je vais mettre cliente. Et là, je vais donc mettre le contenu de son commentaire. Et donc voilà le contenu de, du commentaire de Madame, Madame Durand. Et euh, ensuite, euh, je ferme ceci. Et au niveau de l'image, je vais donc chercher la photo de Madame Durand. Donc là, je vais cliquer sur l'image afin de pouvoir uploader euh, le portrait de la cliente. Donc, je sélectionne une femme, bien sûr, et donc j'insère son image. Et là, je vais me rendre euh, dans Style. Là, au niveau du nom de l'auteur, je peux un tout petit peu augmenter la taille de la police. C'est pas vous, vous y allez comme euh, bon vous semble, hein, chers amis. Et là, j'ai le test juste en dessous et je mets le test en italique je viens peut-être euh, lui appliquer une couleur différente ici aussi peut-être je vais changer la couleur voilà entre introduisons et donc voilà chers amis maintenant je vais essayer euh, de changer la couleur de fond afin d'avoir un truc euh, beaucoup plus euh, tape à l'œil donc je vais au niveau de fond là et je vais donc rester fidèle à ma palette je survole les éléments et ici je viens au niveau de, du test donc est ce que le test en blanc ça peut aller je crois bien que ça va c'est c'est lisible hein? je crois que j'espère que vous êtes d'accord avec moi donc je valide chez amis et bien c'est comme ça je vais du coup dupliquer tout ça et donc voilà chez amis nous avons les six avis euh, clients et je vais donc enregistrer ensuite je vais donc créer une nouvelle section à présent donc dans laquelle je vais insérer euh, quelques réalisations euh, ce sera juste une galerie photo voilà qui montrera euh, les réalisations tout simplement je crée donc euh, la section avec une rangée unique comme ceci et je vais venir à ce niveau-là. Je vais tout simplement copier. Je copie la ligne. Je supprime cette rangée. Je viens là. Je fais clic droit. Et je viens coller la ligne. Je colle la ligne ainsi. Et donc nous avons notre ligne. Au niveau du titre, je viens là et j'aligne à droite. Je ferai pareil pour le test descriptif. Je clique là et. Voilà, je viens sélectionner pour ouvrir le style. J'aligne à droite aussi. Bon. Alors ici par contre ça ne va pas de l'autre côté. Parce que vous voyez ici, j'ai donc euh, voilà. Et voyez là, alignement du test, je dois mettre à droite. Avant donc euh, de réduire la largeur. Donc 53. Et je valide comme ceci. Donc ici, je mets quelques de nos réalisations. Voilà, en, en plus euh, du test descriptif, et ça marche. Donc, chers amis, je vais donc insérer une nouvelle ligne à une seule colonne. Et là, je vais maintenant chercher la galerie. Donc, j'ai le widget galerie ici. OK, maintenant, je vais donc euh, insérer les images de ma galerie. Donc vous pouvez voir ici j'ai sélectionné quelques images. Je clique sur uploader et je patiente. Et donc voici comment est-ce que ça s'affiche. Eh bien nous allons mettre cela en forme. Et donc la première des choses c'est de se rendre sur éléments. Donc ici j'ai affiché le titre, non. Afficher la pagination, non plus. Après images, hein, j'ai ici mon d'image, ça je touche pas. Donc nombre d'images à afficher, je mets 6. Alors là, concernant les images, je vais mettre 2 en plus. Donc je mets 8. Et ici, je viens tout simplement ajouter 2 images supplémentaires. Ou oh, celle-ci. Alors je retire celle-ci. Donc voilà. Et je sélectionne. Donc au total j'ai 8 images. Voilà, ça marche. Et donc, maintenant, chers amis, je viens sélectionner les paramètres, les réglages de la rangée, donc de la ligne. Je vais dans style, dimensionnement. Donc, utiliser l'utilisation euh, personnalisée, l'âge de gouttière. Je réduis à 1, comme vous pouvez le voir là. Donc, euh, harmoniser les hauteurs gelatives. Et ensuite, je. Sauvegarde chez amis, et voilà donc euh, le résultat. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer euh, une nouvelle section, bien sûr. Donc, euh, je fais comme ceci je viens euh, là maintenant et je clique sur section normale, et voilà. Je vais venir ici pour euh, tout simplement copier la rangée. Je clique une fois et je viens là au niveau des trois points, comme vous le savez. Donc, euh, copier copie ligne d'accord et ici je fais un clic droit je vais chercher coller ligne voilà ici et je colle et vous connaissez la chanson je viens donc euh, aligner tout ceci du côté opposé et je valide je fais pareil ici alors là euh, vous faites comme bon vous semble moi je j'ai juste choisi d'utiliser ce ce style là et voilà, donc vous euh, voyez bien que j'ai ça. Maintenant, je dois me rendre dans dimensionnement ici pour changer en fait euh, voilà la position du test. Et je valide. Du coup ici je vais mettre euh, nos derniers articles. Voilà, et bon, d'ailleurs, je ne pense pas avoir besoin de, de la description à ce niveau-là. Donc, je mets nos derniers articles comme ça. Et je vais euh, tout simplement venir insérer une nouvelle ligne. Comme ceci. Et je vais écrire blog. Voilà, j'ai blog ici. Nombre de postes, je mets juste 3. Alors, j'ai créé de faux articles sur mon site. Voilà. Vous pouvez faire de même ou créer de vrais articles. Cela dépend de vous. D'accord Donc, euh, toutes les catégories, etc. Je n'ai pas de sélection en fait. Donc, ici, je sélectionne les éléments. Alors, ce que je vais faire, ici, bien sûr que je voudrais voir les images principales comme ceci. Donc, afficher l'auteur, bon, ça ne m'intéresse pas. Afficher la date peut-être, afficher la catégorie aussi peut-être, afficher le nombre de commentaires non, montrer un extrait oui, afficher la pagination non parce que ce n'est pas la page de blog bien sûr. Et voilà lien URL lien du module non pas besoin, fond non plus étiquette non plus. Je viens maintenant dans style, je vais sur modèle, dans j'ai modèle plein écran, je vais tout simplement choisir le modèle de grille. Et donc, j'ai mes AT qui s'affichent désormais comme ceci. Euh, superposition, image, superposition présentée, pas besoin. Donc, voyez là, nous avons nos images. Nous pouvons euh, euh, travailler sur euh, la bordure des, des images tout simplement. Donc là, je mets à 12. Vous voyez là si vous souhaitez modifier donc euh, le titre c'est ici voilà là le test est à 18 pixels je peux décider de baisser à 16 par exemple la hauteur de ligne je peux également intervenir là dessus voilà ces petites choses là donc ici concernant euh, les métadonnées je vais réduire la police au maximum. C'est-à-dire 14. Donc voilà, je, je réduis ainsi. Donc je viens dans contenu. Et vous pouvez voir ici, nous avons euh, montré un extrait. Donc c'est ça. Et là, nous avons utilisé des extraits. Pourtant, je n'ai pas, comme je l'ai dit, inséré des extraits lors de la création des articles. Donc je vais désactiver ceci afin que. Euh, les articles de blog, enfin le contenu des articles qui soient utilisés pour les extraits. Et euh, je vais à ce niveau-là modifier la longueur. Là, je vais désactiver ceci et voir la page complète. Et donc voilà, chers amis, je vais à présent valider. Et c'est bien, là, je vais sauvegarder. Et donc pour la page d'accueil, je vais m'en arrêter là. Et donc voilà, chers amis, là nous avons notre page qui s'affiche et nous allons pouvoir regarder ce que nous avons créé juste là. Donc là nous avons la session héros, après nous avons les garanties de confiance, nous avons les services, nous avons les avis clients, puis nous avons quelques réalisations et pour finir nous avons les articles de blog. Alors je continue à insister un site normal je conseille à ce que vous continuiez avec les sections euh, il faut par exemple une session FAQ euh, et si euh, besoin y est euh, il faut une partie pour euh, un formulaire de contact ou un formulaire de demande de devis donc selon euh, voilà euh, les besoins d'accord selon les besoins il faut un FAQ etc là comme ça le client se retrouve euh, directement lorsqu'il a besoin de réponses à ses questions alors chers amis, je vais comme je l'ai tantôt dit, passer à la création d'un peu d'un pied de page. Donc pour ce fait, je reviens donc sur le tableau de bord, sur le back-end. Donc je vais dans Film Builder. Et dans Film Builder, je vais tout simplement cliquer sur Ajouter un pied de page. Et là, je clique sur construire un pied de page global. Et donc voilà, chers amis, nous avons euh, notre section. Qui est automatiquement créé je vais à présent créer euh, une ligne ou une rangée si vous voulez et donc euh, je j'insère donc une rangée à trois colonnes et au niveau de la section je viens donc sélectionner ma couleur de fond donc parmi mes couleurs globales nous avons notre couleur d'arrière plan qui est celle ci donc pour euh, ma première colonne je vais tout simplement mettre euh, ah non je me crois sur Elementor je vais tout simplement mettre le logo de mon de mon site donc je vais chercher ce dernier qui est ici et que j'insère voilà et ensuite euh, je viens dans style dimensionnement et je vais tout simplement ajuster sa taille voilà comme cela et je vais ajouter euh, un petit test euh, descriptif bon un test je sais pas vous mettez n'importe quoi vous parlez de l'entreprise etc vous décrivez euh, l'entreprise et tout et là je vais euh, changer naturellement hein, la couleur du test je mets ce dernier en blanc voilà comme ceci en blanc comme cela et je valide maintenant je viens au niveau de mon au niveau du jardin, vous voyez j'ai une mage là. Si la marche ne me convient pas, je l'ajuste tout simplement. Et aussi euh, au niveau du test, euh, je vais je vais réduire un tout petit peu. Voilà, comme cela. Et je valide, chez amis. Ensuite, je vais voir l'icône. Là, je vais mettre l'icône des réseaux sociaux. Donc, euh, suivez-nous sur les réseaux, etc. Je vais essayer d'en ajouter, d'ajouter plus. Donc euh, Instagram. Alors je clique ici pour ajouter d'autres réseaux sociaux. Donc euh, ici je viens chercher euh, Instagram. Instagram c'est où Voilà ici j'ai Instagram. Je valide. Je fais un plus. et euh, bon voilà, hein, je crois que c'est suffisant. D'accord, je valide ici, je vais supprimer le Facebook qui se répète. Et donc voilà, chez amis. Alors, vous cliquez, alors pour insérer les liens, vous cliquez ici sur euh, réglages, liens et vous venez ici mettre le lien de chaque profil de vos réseaux sociaux et vous validez chez amis. Voilà. Alors, ici Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre euh, du test, tout simplement. Donc, ce sera euh, un titre. Donc, chemin du H3. Et j'écris nos pages. Je vais dans style. Je vais sur H3. Euh, je vais mettre en bold semi bold peut-être bon avant je vais changer la couleur voilà comme cela et euh, je crois que je ne suis pas mal baisse un peu la taille hein, à ma convenance bien sûr et je valide alors ensuite chez amis je vais chercher ici je vais chercher test d'accord que j'insère et euh, bon là ce que je vais faire c'est vraiment particulier euh, bien sûr je veux mettre la couleur la couleur blanche d'accord et ici je viendrai simplement mettre les différents titres de, 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 de les différents titres des pages soit donc là je mets la page service par exemple d'accord et je descends ici pour insérer donc le lien de la page service où vous allez directement ici pour chercher. Voilà le lien de la page. Lien vers page d'accueil, euh, lien page et vous, vous allez chercher service, la page service. Vous pouvez tout simplement cliquer et dupliquer. Et assez de a à réduire. Donc euh, vous faites. Pareil pour euh, le deuxième module, celui-ci. Donc là, je duplique blog. Donc euh, nous avons la mage qui apparaît. Voilà, je la sélectionne et je la réduis euh, complètement. Et donc euh, voilà, chers amis, j'ai ici donc euh, ma colonne, d'accord, ma deuxième colonne, hein, la colonne des pages. Alors pour dupliquer cette colonne, je vais me rendre ici dans la rangée. Je duplique la colonne ici voyez, et je viens tout simplement supprimer la dernière colonne. Et donc, j'ai mes trois colonnes. Ici, donc, je supprime des lignes parce que j'aurai que la page de politique de confidentialité sur un site euh, vitrine. Voilà, politique de confidentialité. Et je valide. Donc, ici, je, je laisse quand même la page à propos pour que ce ne soit pas trop vide. Et donc, chers amis, je vais enregistré et ici je viens actualiser voici voilà le, le pied de page ne s'applique pas euh, tout simplement parce que je dois sortir d'ici et venir sauvegarder les changements voilà et à partir de ce moment là nous verrons donc notre magnifique pied de page voilà donc que voici alors il reste une dernière chose à faire pour le pied de page. Je vais créer une nouvelle section. Voilà comme ceci. Alors là, je sélectionne la couleur globale comme couleur de fond. Je clique sur Modifier ici et je viens juste récupérer le code couleur. D'accord. Je valide. Maintenant, je sors. Je vais dans Sauvegarder. Je sélectionne une autre couleur simplement pour ne pas avoir modifié hein, ma couleur de base. Donc maintenant, je viens euh, coller le code couleur que j'avais copié pour récupérer la couleur de fond. Voilà, appliquer ma nuance. Et je fais valider. Et comme ça, je n'ai plus de lien avec la couleur globale pour éviter les histoires. Donc là, je clique sur Paramètres. Je vais dans Style, Espacement et Sommet-Bas 0 pixels. Voilà. Et je valide. Ici, donc, je vais mettre test. Je vais juste écrire tout droit réservé copyright 2024. Je crois bien que c'est ça. Hein. C'est plutôt copyright 2024 euh, tout droit réservé tiré de 6 espace. Voilà. Et donc je vais dans les espace euh, style espacement sommet bas chemin 0. Je lis toujours les valeurs hein. d'accord. Je mets 0 comme cela et je valide. Maintenant au niveau du module, je suis bien sûr que je vais centrer mon test. Donc je descends ici, je, je le centre. D'accord Et je vais dans Espacement. Ah d'accord, c'est au niveau du module que j'ai mis les, les marges internes à 0. Donc je valide. Et je sélectionne maintenant euh, la rangée. Voilà, je vais toujours dans espacement. Je lis les valeurs et je mets l'image antenne à zéro. Maintenant, je vais leur appliquer la marge qui me semble correcte. Donc, 20 pixels, ce n'est pas mal. Réglage style test et je mets en blanc puis je valide alors je mets en blanc où je, je choisis euh, ma couleur la couleur accentuée du site couleur globale celle ci d'accord c'est beaucoup plus stylé je trouve et je vais donc euh, valider les sauvegarder les modifications je vais sortir d'ici puis je vais enregistrer toutes les modifications puis j'actualise. Et donc voilà, ici, chers amis, nous avons notre pied de page qui est créé.